Et salut tout le monde, c'est Colonel Zendrak, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre Let's Play Hollow Knight, qui est aussi notre 8ème vidéo. Je suis assez fier de ce nombre de vidéos, personnellement. Je pensais pas tenir un rythme aussi élevé, qui est de au moins aller 3 vidéos par semaine, je dirais. C'est juste gentil. Bon, là n'est pas le sujet principal. La dernière fois, je voulais continuer par là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai vu qu'il y a une station coloptère aussi en haut. Donc on va en profiter pour aller à Dirtmouth aussi. Pour acheter la lampe et acheter des broutilles à Sly. Le marchand qu'on avait libéré dans notre premier épisode. Au deuxième. Je sais plus. Oui. Ah, sale bête. Allez. Voilà. Mais je l'ai. Ah, c'est pas vrai ça. Ah, et on peut aller à droite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mouche. Alors, il y a encore cet arbre là. On verra peut-être ce qu'on pourra faire. On verra plus tard ce qu'on pourra faire avec. On doit avoir un objet requis pour les utiliser ou faire quelque. Ou avoir une interaction avec. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à droite? Y'a rien. Y'a rien en haut, y'a rien en haut. Alors j'entends un truc bourdonner là dans mon oreille. Genre un son d'un collectible. Attendez. Il me régénère. Aussi, il y a un truc que je comprends pas. Mes premières vidéos sont celles qui ont le plus de vues. Alors que les dernières qui ont une qualité qui a une qualité assez beaucoup plus irréprochable, et pourtant elles ont beaucoup moins de vues. Alors je sais pas ce que c'est, hein, vous me direz ce qui vous tracasse ou pas. Clé simple, d'accord. Bah, on pourra ouvrir la petite porte qui se trouve en bas là, qui menait aux égouts. Enfin, ce qui semblait être une plaque d'égout. Hein. Pas d'amalgame. Bon. Ok, il y a encore un autre collectible. Ça fait beaucoup quand même. Allez. Bon, c'est bien maintenant, vu qu'on a amélioré notre aiguillon, on peut buter les bestioles en peu de coups. Alors, examinez. Journal d'un voyageur. Ok. C'est dommage qu'on puisse pas les lire. J'ai déjà essayé, je crois. Vous l'avez peut-être pas vu, mais on peut pas les lire. Ça aurait ajouté un petit truc comme ça. Alors, examinez. Attends. Est-ce que je peux être de ce côté? Ah, est-ce que ça serait pas la porte qui nous bloquait la dernière fois? Si, c'est ça. D'accord. Bon. Alors. On va examiner cette chose. Examiner. Une machine avec le symbole d'un ascenseur. Insérer Géo. 150. Ok. Yes. Donc c'est un ascenseur qui va débarquer. Oh. C'est pas mal, ça va nous permettre de rejoindre Dirtmouth. Après, vous me direz, il y a la station coloptère juste à ma droite là. Bon, hop là. Alors, il n'y a rien en dessous. Ouais, je vais tomber de l'épic ici. Non, oh. Non, oh, Seigneur, c'est pas vrai. Je vais pas le faire. Allez, mais crève. Voilà. Bon. Ouf. Alors, est-ce qu'on peut casser? Ah, ok, oui. D'accord. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Je vais voir si ça a cassé quelque chose en bas. Après tout, ce n'est pas impossible dans ce jeu. Bon, déjà, on va sauvegarder. Mise à jour de la carte. Carte. Ah, ok, ouais, c'est bien un ascenseur. Bon, nickel. On va se payer la station. Je vais vite fait aller acheter la lanterne. Et comme ça on pourra accéder aux zones d'ombre. Enfin, je sais pas si ça va me servir pour l'instant. Mais bon, on verra. Le dernier coléoptère. Vous avez maintenant ouvert plusieurs stations de coléoptères, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de voyager à nouveau dans le royaume. Plus je visite d'endroits, plus je sens que mes souvenirs me reviennent. Un peu comme si le tunnel de coléoptère dans mon esprit était ouvert à nouveau.
Continuez d'ouvrir plus de stations et je vous en serai éternellement reconnaissant. Bon. Chemin. Dirt-moi ouf. Bon allez, on ne vous inquiétez pas, on va pas s'éterniser, on va acheter la lampe et puis on revient à la cité. Voilà, comme ça c'est fait au moins, vous voyez. Bon, on prend l'ascenseur. On gagne du temps. Et on revoit l'ancien. Je vais voir si on a un nouveau dialogue. As-tu déjà visité le temple? J'ai entendu dire que c'était un édifice étrange. Bien que je n'ai jamais osé faire le voyage moi-même. Les plus courageux d'entre nous y sont allés une fois pour prier. Ils ont dit se sentir en paix, au sein des murs du temple. Mais après un certain temps, ils ont cessé de s'y rendre. Je me demande ce qui a changé. Eh bien, moi aussi, mon ami. Ok. On va rentrer ici. Oula, sa voix, j'avais oublié qu'elle était forte un peu. Lanterne de Lumafloy. Allez, 1800. Bye bye. Eh ouais, il nous reste que 200 du coup. Bon. Alors je regarde les charmes vite fait. Perds-tu beaucoup de joues dans les cavernes? Ce charme récoltera pour toi les joues que tu perds en chemin. Oh. Carapace infrangible. La vie est rude dans les terres d'Alonès, n'est-ce pas? Recevoir des coups tout le temps et se faire malmener. Ce charme te rend invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts. Très utile si tu as besoin de t'échapper d'une mauvaise situation. Ah mince, je peux pas prendre celui des joues. Bon, je vais économiser mon argent. Là, je vais pas rouler sur l'or quand même. Donc là, je vais voir ce que je peux acheter à Iselda. Pas nada. Ok, je peux pas vraiment acheter quelque chose. Je vais prendre des marqueurs quand même. Ça peut être pas mal. Je peux marquer des zones vite fait comme ça. Ouais, c'est intéressant, ouais. Oui. On va reprendre la station collecteur. Et je regarde mon inventaire. Attends. Ah, par contre. Non. Bon, c'est pas grave. Je pensais aller à Saloubra, mais bon. Je pense pas qu'on va avoir le temps. Bon. Ah, c'est bon, t'es encore là. Entrepôt de la cité. Voilà. En tout cas, je le répète, hein, n'hésitez pas à partager et à mettre un like si ça vous fait plaisir. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas de cocher je ne sais pas parler, je vous rappelle. Et n'oubliez pas de cocher la cloche. C'est très important, hein. Ça me permet d'engranger plus de vues, j'ai envie de vous dire. Bon, on dirait, faut pas trop se fier aux chiffres, mais bon. Oh putain. Vous me direz de pas trop me fier aux chiffres, mais bon. Ça m'encourage à faire plus de vidéos. Bah, c'est normal après, hein. Et vous faites comme vous voulez. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein. Je n'en tire aucune récompense. C'est juste pour savoir qu'est-ce qui pourrait changer, dans quoi je pourrais m'améliorer. Je suis ouvert à toutes les critiques. Hein. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Vous critiquez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Du moins que c'est constructif. Ou même pas du tout. Hein. Juste vous me dites ce que vous pensez de la chaîne et ce qui devrait changer. Et c'est tout. Bon, alors oui, on voulait découvrir cette zone. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh. Oula. Ok, et en plus il se téléporte. Oh mon dieu. J'ai échappé à la mort. Ah ok. Je sens qu'ils vont être très chiants. Ah, par contre, c'est pas vraiment un boss. C'est plus un mini-boss, hein, je pense. Allez! Ouf! Le tout c'est. Ah bah c'est bon, il est déjà mort. Bon bah. Nickel. J'ai quoi comme aiguillon déjà? Il est un peu pété. Non, c'est bon, je l'avais réparé, je m'en souviens. J'étais allé voir le forgeron. Nail Smith en anglais. Bon, on va découvrir cette petite zone. Cette petite zone. Oh! Sanctuaire de l'âme. Ah, et l'ambiance est totalement différente. Il y a carrément une musique avec des orgues. Oh, c'est cool. Ah, et on entend Cornifère. Allons voir ça. Oh, j'ai pas rêvé. Ah, d'accord. Bon bah, salut Cornifère. Oh,
À propos, je ne me suis pas présenté. Je suis désolé. Cependant, lorsque vous passez beaucoup de temps seul, avec juste vos propres pensées pour vous tenir compagnie, vous oubliez les subtilités d'une conversation. Je me nomme Cornifère, et j'ai toujours aimé explorer le monde. Tout de suite après avoir éclos de mon œuf, je suis parti à l'aventure, laissant derrière moi mes frères, mes sœurs et ma pauvre mère. C'est pourquoi, dès que j'ai pu, je me suis installé avec ma femme à Girthmouth, un immense royaume sans fin à explorer, juste devant chez nous. Qui aurait pu résister? Enfin bref, je vous laisse vous remettre en chemin. Avec un peu de chance, nous nous reverrons bientôt. Soyez prudents. Et bah toi aussi, mon pote. Allez, on va rappeler l'ascenseur. Je vais voir ce qu'il y a en haut, vite fait. Hop là. Hop. Est-ce qu'on peut monter? Ah, on peut monter, j'ai l'impression. Alors, examinez. Une porte ornée d'un métal scintillant. Il y a une fente pour une sorte de clé. Je peux pas l'ouvrir avec ma clé simple? D'accord. Je dois avoir besoin d'une clé spéciale. Je sais pas, en l'obtenant sur un boss. Alors, je suis en train d'essayer de voir si je peux... Si je peux pas glitcher le jeu. Bon. J'abandonne. Oui, je suis pas très perspicace. Hein. Je suis comme ça. Il va falloir vous adapter. Bon, on retrouve cette ambiance assez perturbante. On n'a pas l'habitude d'avoir des ambiances comme ça. Assez sombres. À part... Oula, nouvel ennemi. Ça a l'air d'être une zone assez flippante. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir en haut? Oh non! Encore? Ah non, c'était pas vraiment un mini-boss en fait, c'est juste un ennemi random. Alors, j'ai buté une bestiole. Bon. Ouais, en vrai, si on se met à côté d'eux, vite fait, voilà. Et on se décale au dernier moment pour esquiver leur projectile. Bon. Je vais encore monter. Oh, mais il y en a trop. J'en ai marre. C'est pas vrai ça. Allez, vas-y, téléporte-toi. Yes. Ouf. Ah, et quand je brique ces trucs, ça me donne de l'âme. Ok, toi t'es mort. On va aller tuer la chose répugnante qui est là-bas. Et on a un petit levier actif. D'accord. Bon, c'est bien tout ça. Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose? Examinez. Registre d'Abba. L'esprit nous limite encore. Comment passer au-delà de telles contraintes? Est-ce seulement possible d'atteindre l'éveil véritable? D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une bestiole à l'intérieur. Si je me trompe pas, il y a deux yeux écarquillés. Alors, je peux pas passer par là. Donc, je vais redescendre. Hop, un... Géos. Argent. Allez, hop. Donc je peux monter par là apparemment. J'ai vu une porte. Oh là là. J'ai vu une porte s'ouvrir. Du coup on va continuer. Hop. Oula. Ok, nouveau boss. Ok. Oula. Ok. Oula. D'accord. Bon. Allez, je vais essayer de. Ce qui est chiant, c'est que lui il est rapide. Il est rapide et il est assez imprévisible. Enfin, vous regardez son animation, c'est un peu simple, mais... Allez. Oh, c'était chaud, par contre. Oh là là. Je commence... Oh là, mais... Seigneur, j'ai eu peur sur celui-là. Hein. Déjà, il me restait que 2 points de vie. Bon, il m'a quand même donné 200 gyros quand même. C'est louable. Alors, on peut descendre par là. Je suppose qu'on peut activer un levier. Hein. Oula, ah, oh, mais c'est vraiment une véritable vermine ces bestioles. Il y en a partout. Aïe, oui, ouch. J'ai pas payé pour ça, monsieur. À savoir que je ne suis pas payé. Je ne suis pas un gros youtubeur. Voilà, c'est bien ça. On peut y activer un levier. Bon.
Oh, mais c'est pas vrai, cette zone. Oh là là, mais il est encore là? Mais, quelle blague. Allez, mais crève. Ha, t'as raté ton coup. Oula, oula, oula. Je vais failli me prendre le méga karma. Le karma, je l'ai vu passer comme ça, il m'a fait salut. Bon. Mais c'est une blague. Oh, mais... Voilà. Ah, sont vraiment embêtantes pour pas dire une insulte à ces bestioles. Ouais, ça a l'air vraiment d'être une zone assez complexe, j'ai l'impression. Ok, on active une porte. Bon. On active de plus un ascenseur. Ok. On continue à monter. Je peux pas casser ça. Ah si, mais non, en fait. Alors ces bestioles sont vraiment spéciales. On a rien vu de tel pour l'instant. Pour l'instant, on a vu des carapaces possédées. Mais sinon, on n'a pas vu des choses aussi étranges. Bon, allez, on va continuer notre chemin. Ok, il y a l'air d'avoir une très grande. Oh non, mais c'est bon. Ça va, eux, tu leur mets trois coups d'attaque. Je rage quitte. J'abandonne. Oh non, mais il me dit pas qu'il me suit. En plus, je suis bloqué ici. Oh, qu'est-ce que j'adore pas ma vie. Allez. Mais meurs. Il me retire toute ma vie en plus. Mais... Voilà. C'est bien. Eh bien, compliqué ce machin. Ok, je peux rien faire avec cette chose. Bon. Je m'attendais pas à grand chose de toute façon. Ah, mais c'est pas vrai. Mais c'est une véritable infection. C'est une véritable infection. Pardon. Bon, là, va falloir que je reste concentré. J'ai pas envie de mourir. Allez, allez, allez. Allez. Oh, j'ai pas envie de mourir. Allez, vas-y, tape sur. Oh non. Il a y compris mon stratagème. Le coquin. Oh oh, j'en ai marre de cette zone déjà là. Bon, de base, moi c'est la zone que j'aime vraiment pas dans ce jeu. Vraiment des ennemis difficiles partout. Oh. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oula. Ok, il vient. Oh, mais ils viennent du ciel. Oh là. Hop là, hop là. Non. Non. Oh, non. Bon. Ça va. On peut quand même... Oh non, je suis choqué, je suis mort. Oh non. Bon, ça va. Vous me direz, je peux passer par là. Au lieu de faire un méga détour par la cité des larmes. Bon. On va devoir tous taper. Bon, ça va, au moins, vu qu'on avait activé les leviers, le chemin va être deux fois plus rapide. Allez, speedrun. Oh là là. Ah, et quand on meurt, on perd son ombre. C'est-à-dire, on perd son esprit en quelque sorte. Oh. Et du coup, si on remeurt une autre fois, on perd tous les jeux qu'on a acquis lors de notre aventure. Donc, faut vraiment faire attention à ne pas mourir trop de fois. Exemple, si vous mourrez deux fois de suite, ben vous êtes foutu. Grosso modo. Ah, mais quel enfer cet endroit! C'est pas vrai! Ah, mais c'est. Je commence vraiment à rager par contre. Hein. C'est un enfer ces bestioles. Ok. Voilà. Et là, je vais retrouver mon âme et mes géos. Ok, vous retirez le mot âme. Ok, je vais me refaire ces foutues bestioles. Allez, je reprends de la vie. Hop là. Et on est pas bon. J'allais dire on est bon, mais pas du tout. Bah, c'est pas vrai, hein. Ces bestioles là. Oh, qu'est-ce que c'est? Examinez. Tourmenteur d'âme.
un charme reflétant le désir ardent du sanctuaire de l'âme, de maîtriser l'utilisation de l'âme. Améliore la capacité du porteur à lancer des sorts. Mais oh, c'est pas vrai. Mais vous avez vu, il spawn pendant que je lis. Bon, je disais, je vais essayer de pas me faire attaquer cette fois-ci. Améliore la capacité du porteur à lancer des sorts, réduit le coût des sorts liés à l'âme. D'accord, très intéressant. Donc ça va nous permettre de faire des... de devenir Gandalf version plus. Bon. Oula, donc on est en train de sortir du bâtiment, je suppose. Ok, on a full âme. On va en profiter pour me régénérer. Hop là. Bon. On va continuer à avancer. Oula. La porte est... Vous voyez ce que je voyais? Ça veut rien dire. Vous voyez ce que je vois là? Mais... Maître de l'âme. D'accord. Oula. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ok, lui aussi il me lance des... Oula. Ouf. J'ai peur de ma vie, j'ai eu. Ok, est-ce que je peux attaquer quand il est en l'air? Oui. Ok, là il me fonce sur moi. Ok, j'ai l'impression qu'il va être assez technique ce boss. Ok, il fait des ondes de choc. Ok, tourmenteur. Oula. Je fais comment là? Ok, juste rester dans le coin. Donc ça, c'est intéressant. Aïe! Je me suis bien fait avoir. Ok, je vais essayer de réeffectuer la même technique. Bon, ça marche. T'as juste à sauter une fois. Yes! Oh non, j'ai raté mon coup. Ok, il refait son attaque. D'accord. Ok, il va faire quoi? Il est mort? Ah non, c'est juste une phase comment en être. Oula! Oh l'enfoiré! Pardon. Mais... il fait des feintes! Ah, c'est vraiment des vicieux, c'est les développeurs du jeu, quoi. Allez, viens, je t'attends. Oula, oula, oula! Quoi? Comment est-ce que je me suis pas pris un dégât? Enfin... c'est pas faute d'être content de ne pas me pris un dégât, mais... Ok, ça va, il a pas fait une feinte, encore une fois. Ce salopio. Allez, viens. Viens, la mec. Yes. Ok. Donc, j'ai déjà fait sa phase 2 ou 3. 2? Je sais pas. Bon, je verrai sur les rushs. Allez. Oh non. Mais qu'est-ce que je suis nul. Allez. Ah, je peux pas le retaper. Oh, mais non. Mais... what? J'ai appuyé sur... ah, ça a pas marché. Enfin, moi, je joue manette, mais... je vous assure que ça a vraiment pas marché. Bon, allez. On se remet dans le coin. Hop là. Ah, et j'aurais eu l'occasion de le frapper. D'accord, d'accord. Intéressant à savoir. Allez, t'es parce que... ah, bah voilà. Bah voilà. Oula. Oula, mes yeux vont mal. Oh. Mais non. Nouvelle compétence. Eh ben, il était temps. Je croyais que j'allais jamais obtenir une nouvelle compétence. Bon. Voyons cela. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Oula. Oula, oula, oula. C'est quoi? C'est notre phase? Oula. Oh. Ouf. Ça va, là il fait pas de vague. Là il est vraiment violent par contre. Ah ouais, j'ai cru comprendre qu'il était vraiment violent. Ok, on a juste à rester à côté. Ah, heureusement, ouais, franchement, heureusement qu'il fait pas de vague. Voilà, faut vraiment, par contre, faut attendre. Oh. Faut attendre que il fasse son saut. Enfin, que vous voyez qu'il faut attendre qu'il descende. Et là, on est certain de pouvoir l'attaquer. Ah, bah voilà. Et oui, il faut vraiment utiliser les sorts. Bon. Eh ben, il était coriace, hein. Mais franchement, très intéressant comme boss.
J'ai beaucoup aimé. Bon, let's go. Alors. Consommer. Élan ravageur. Appuyez rapidement sur B, tout en maintenant la touche bas pour frapper le sol avec une explosion de puissance. Les sorts consument de l'âme. Hein? C'est pas consommé? Bon, c'est pas grave. Régénérer l'âme en frappant des ennemis. Bon. Alors, je suppose que... Oh, c'est énorme. Ça me permet de faire des descentes très rapides. Bon, c'est pas mal quand même dans un épisode. On a réussi à battre un boss et à obtenir une nouvelle compétence. Ah! Et voilà, c'est ça en fait la question que je me posais. C'est on va pouvoir donc frapper les trucs qu'on doit taper vers le bas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on avait une zone de cristal à laquelle on pouvait pas accéder. Oh, un coffre. Oh, avec beaucoup de dios. Ah, la richesse. C'est beau tout ça. Bon, il y avait une zone de cristal à laquelle on pouvait pas accéder vu qu'il y avait un immense pont qui bloquait la zone. Bon. Oula! Bon, il va se calmer, Maurice. Bon. Alors on peut pas accéder par là, il y a une porte. Bon. Je sais pas ce qu'on peut faire. Ah, c'est génial. Ah, hop là. Hop là. Par contre, ils sont vraiment chiants ces ennemis. Même qu'ils soient assez faibles, ils sont rapides et vraiment très subtils. Quoi. Oula. On va falloir se calmer, Jean-Michel. So dull honest. Bon, on pourra le revendre à machin. À Lem, pardon. Ok. Je crois que c'était un coffre gigantesque, mais non. Bon. Hop là. Vous avez vu la même chose que moi. Oh. Oula. Qu'est-ce que j'aime pas ces bestioles. Franchement, c'est vraiment. C'est répugnant déjà. Enfin bon, on a pas trop le choix, j'ai l'impression. Ok, je vais essayer d'aller me faire la larve. Et voilà, t'es libre. Bon, fais gaffe de pas te prendre des ennemis parce que. Parce que tu vas pas trop apprécier. Bon allez, on peut ressortir par là. Et c'est fou quand même. Vous voyez là le nombre de cadavres. Je pense qu'ils devaient récupérer leurs âmes. Et je pense en fait les fontaines d'âmes en fait c'est leur âme à eux. On est en train de consommer l'âme de tous les insectes morts. Morts en offrant leur âme. Bon je pense qu'ils l'ont pas vraiment offert. On leur a pris comme ça. Ils n'ont pas trop eu le choix je pense. Hein. Allez. Hop là. Bon, allez. Hop. Ça c'est satisfaisant quand on pète les fenêtres comme ça. Bon. Alors, où est-on? Où sommes-nous, pardon? Non, attends. Alors, va falloir vraiment que je réapprenne à parler français. Où sommes-nous? Voilà. Ça veut dire quelque chose. Bon, je commence vraiment à en avoir marre de cette zone. Déjà, les ennemis sont vraiment infâmes. C'est le premier qui le nie, il n'est pas humain. Ce n'est pas possible. Oh, j'ai failli me faire écraser par l'ascenseur. Pitié non, pas maintenant. Bon, on a juste à redescendre. Allez l'ascenseur, je t'attends. Et voilà. On va en profiter pour se régénérer. Bon. Ok, il y a un autre ascenseur. Mais on continue à descendre en fait. Tout simplement. Et on ressort de cette zone. Maléfique. Bon, je suppose qu'il n'y a plus rien à faire dans cette zone, hein. À part si on doit chercher une clé ou quelconque. Ou un objet quelconque, je ne sais pas. Allez, viens là, je t'attends. On a affronté beaucoup plus dur que toi. C'est pas maintenant que je vais mourir, hein. Bon. Ah, là. Je vous l'annonce tout de suite, je pense que dans le prochain épisode, ça va être direct le biome des cristaux. Comme je l'appelle. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous le répète, n'hésitez pas à partager, activer la cloche et liker. Ça fait très plaisir. Hein. C'est comme je vous le dis, ça motive à faire plus de vidéos.
Donc si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à critiquer, n'hésitez pas, je suis ouvert à toutes les critiques. Et ça, je le répéterai jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. Alors, désolé de vous avoir manqué. Si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin Dirtmouse pour acheter une carte de cette région, disponible maintenant à un très bon prix. Qu'en effet. Ah, et surtout, je vous laisse dire dans l'espace commentaire quel jeu vous voudriez que je fasse. Parce que je suppose que ça vous saoule un peu que je fasse tout le temps du Hollow Knight. Enfin, si c'est pas le cas, ça me fait plaisir quand même. Mais bon, pas grave. Ça fait toujours du bien de varier un peu les vidéos, quoi. De pas toujours jouer au même jeu, c'est cool. Et puis moi, je possède le Game Pass. Du coup, vous allez sur la liste du Game Pass des jeux PC. Et puis, vous pouvez me dire quel jeu dans le Game Pass vous voudriez que je teste. Ou même un jeu gratuit sur Steam, ce que vous voulez. Hein. Du moment que je n'ai pas vraiment besoin de l'acheter. Ou soit un jour, si je m'achète un jeu, c'est vraiment qu'il est bien. Que là, vraiment, je fais un épisode dessus. Je vous annonce tout de suite quel jeu je vais sûrement faire en let's play. Alors j'ai déjà fait Enlisted, qui est un jeu de Gaijin, je vous le rappelle. Je vais peut-être jouer à War Thunder vite fait. Aussi à Force. Et à Castle Story, à Space Engineer, enfin tout ça. Tous les jeux que je possède actuellement. Bon. Et j'espère que ça va vous plaire. Bon, alors j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir, bisous. Et à bientôt sur ma chaîne.